C'est en 1982 que Jean-Claude Nemro a rejoint Kassav, le groupe fondé par Jacob Desvarieux et les frères Décimus. Il a remplacé au pied levé le clavier de l'époque pour une tournée prévue à la Réunion et il n'est jamais parti. Avec Kassav, il a fait le tour du monde. Il a connu les grands moments du groupe. Le premier concert au Zénith, la première tournée en Afrique, le stade de France, les 30 ans, les 40 ans. Une épopée qui vient de prendre un sévère coup d'arrêt avec le décès de Jacob Desvarieux le 30 juillet 2021. Dans ma parole, Jean-Claude Némro rend hommage à celui qui a réussi la performance de maintenir et de fédérer Cassav. Avec Cassav, il y a eu des hauts et des bas. Jean-Claude Némro a eu parfois du mal à composer avec le fait de voyager en groupe, de passer des heures en avion, de devoir assister à des cérémonies sans fin mais à aucun moment le pianiste martiniquais n'a envisagé sérieusement de quitter cassave il a composé l'un des gros tubes du groupe collet serré qu'il a interprété en duo avec jocelyne béroard dans ma parole il raconte la jeunesse de cette chanson que philippe laville a chantée avec succès Nemreau, nous sommes à Paris, dans le 10e arrondissement, dans un studio d'enregistrement où vous avez vos habitudes. Hein. Euh, on est ravi de vous retrouver et d'explorer ensemble votre belle carrière de musicien. On a évoqué dans notre deuxième épisode vos premiers pas dans le monde de la musique, la variété française, Manu Dibango, Myriam Makeba et surtout Cassav. Nous nous sommes souvenus de Jacob Desvarieux, qui a marqué à jamais l'histoire de ce groupe mythique. Est-ce que, à votre avis, Jean-Claude Némro, sans Jacob Desvarieux, Cassave peut continuer à vivre C'est la question qu'on me pose tous les jours. Ah oui, c'est pénible, je sais bien. Euh, c'est la question qu'on me pose tous les jours et c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre parce que François Pinard, le manager, est en train d'avoir de, des idées pour qu'on remodisse. Mais il faut bien prendre le temps de la réflexion parce que quand on enlève le poteau mitant... C'est comme les murs porteurs d'une maison. Donc, euh, elle est fragilisée, la maison. Et donc, euh, il faut réfléchir calmement. Jacob Desvarieux, c'était vraiment le, le poteau mi -temps. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, euh, pour le moment, il est trop tôt pour répondre à une question comme ça. Mais euh, on va tout faire pour rebondir. Ouais, vous ne savez pas encore Comment Pour quand euh... Il y a en plus le Covid euh, qui ajoute une couche à, à tout ça, qu'on le veuille ou non, puisque on devait déjà aller faire des concerts, à, notamment celui du Madison Square Garden à New York, qui était l'apothéose, quoi, on va dire, pour nous, à, aux États-Unis, en tout cas. C'était prévu quand ce concert oh, je ne sais plus. Euh, quelques mois avant que le Covid ne commence, donc. Euh, il y a tout ça qui fait que, bon, pour le moment, on est dans une situation de, de, plutôt de réflexion. Voilà. Vous aviez un peu le même profil avec Jacob Desvarieux. D'abord, musicien. Hein, vous vous êtes mis au chant tous les deux avec succès. Vous étiez très complémentaires tous les deux ouais. euh, Avec succès, Jacob, lui. Euh, bon, moi, beaucoup moins. Parce que, Pas un peu, quand euh, non, même. Non, non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'au départ, euh, les chanteurs officiels étaient Jocelyne, Jean-Philippe Martelly, Jocelyne Bérois et Patrick Saint-Éloi. Mais quand vous prenez le truc dix ans après ou 15 ans après, où Jacob a commencé à chanter, enfin mais il avait commencé plus tôt, mais enfin, bon, il, est, il a de plus en plus fait des titres à lui, où il chantait, euh, c'est Jacob qui était le numéro un en Afrique, quel que soit le pays d'Afrique où on allait. Il ne faut pas l'oublier, jusqu'à maintenant. Autant on a pu faire des concerts sans Patrick. Mais sans Jacob, euh, pour les Africains, en, dans tous les pays africains, c'est la voix de Jacob. Hein. C Donc, il euh, faut, faut, faut rendre à César ce qui est a à César. C'est pour ça que je dis, euh, par rapport à moi, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai fait un an et demi avec Peter Gabriel, ça n'a gêné personne. Ça n'aurait pas été possible avec Jacob. Et est-ce qu'avec Kassab, hein, vous avez fait vraiment le, le tour du monde hein, plusieurs fois, vous avez euh, un souvenir euh, particulièrement fort d'un concert Je sais qu'il y a eu Vraiment des tonnes de concerts marquants, oui, premiers Zénith, en fait, Luanda. Je sors etc. toujours le même, la même anecdote, ça m'évite de, de chercher déjà. <rire> <rire> Mais au-delà au de ça, euh, plus sérieusement, c'est quand même celui qui a été le plus marquant, c'est quand on a été la première fois en Angola, à Luanda. Autant on avait fait des pays anglophones, euh, francophones, euh, le Gabon, le Cameroun, le Côte d'Ivoire ou je ne sais, Sénégal et compagnie. Mais quand on arrivait à Luanda, on ne s'attendait vraiment pas à ça. C'est-à-dire qu'il euh, faut imaginer un stade qui est aussi grand que le Stade de France, bourré de gens. Et on nous fait venir sur un char, comme on a le char de carnaval chez nous, genre, pareil. Comme la papa Sur un mobile. char pour faire le, le tour de scène. Comme on a fait, d'ailleurs, on l'a reproduit au Stade de France. Sauf que quand on a fait le, alors, on a fait le tour de, du stade et le, le, le char s'est arrêté près de la scène, les gens hurlaient. Et l'organisateur vient de nous dire Oui, mais ils vous ont pas assez vu. Parce que, comme c'est un stade, une fois que vous êtes sur scène, on vous voit tout petit. Donc, les gens ont exigé qu'on fasse un autre tour. Mais ah, donc, Georges est comme un malade, c'est le malade du groupe. Il est parti à pied, en courant, comme <laughs> Usain Bolt. Et moi, je l'ai suivi. Et puis tout le monde l'a suivi. Et puis on l'a fait le tour en courant. Ça, c'était. c'était c'était complètement en pleine... improvisé. Quoi, quoi, sur le... Et c'est génial quoi, quand un truc comme ça se passe. On fait le tour du stade, on voit salut. <laughs> Dans Kassav, ce qui était assez génial, c'est que chaque musicien avait la possibilité d'enregistrer de son côté des albums solo. C'est ce qui a fait, à votre avis, que le groupe est resté euh, soudé aussi longtemps C'est une des, une des explications. Elle n'est pas la seule, mais en tout cas, les vôtres sont son pesant d'or. Pourquoi Parce que quand il euh, y a déjà trois chanteurs officiels Jocelyne, Jean-Philippe et Patrick. Quand on fait un album de Kassav, on mettait à l'époque. Allez, bien un an avant de faire cet album, voire deux ans. Donc quand un album prend autant de temps et qui sort au bout de deux ans, il y a en même temps une frustration qui s'installe chez euh, le chanteur en se disant, j'ai participé à l'album, mais dans l'album, je n'ai que deux titres. Mais moi, j'ai envie de faire mon album. Mmh. Donc on a décidé pour ne pas... Enfin, on a décidé. La vie a voulu que pour ne pas frustrer les uns et les autres, parce qu'il n'y a pas de chef, non, il n'y a pas de chef absolu, il n'y a pas un patron, il n'y a pas voilà. Donc entre les albums de cassap chacun disait ah ben, on va dire cette année-là, on fait l'album de Jean Philippe. Ce qui fait que la chose positive, sans même qu'on l'ait pensé, c'était comme ça, parce qu'on était tellement toujours ensemble dans les tournées que euh, la personne, le chanteur qui allait faire son album, il n'avait pas cherché d'autres musiciens, alors que voilà. Donc ce qui faisait que si Jean-Philippe sortait un album, c'était ses compositions à lui, mais ça sonnait toujours Cassave derrière, plus ou moins. Quand Patrick Saint-Éloi faisait le sien, c'était la même chose. Quand Jocelyne faisait le sien, c'est la même chose. Ce qui explique de notre côté qu'il faut donner du temps au temps. Donc entre trois ans, plus l'album de Jean-Philippe, après l'album de Cassave, l'album de Jocelyne, après l'album de Cassave, celui de Saint-Éloi. Ben, moi, je, suis, je dis, bon, un moment, euh, les gars, vous êtes gentils, mais j'ai envie de faire le mien aussi. <laughs> Aussi comme. Enfin, euh, Ce qui fait que j'en ai moins que. À l'heure d'aujourd'hui, j'en ai, ai moins que tout le monde. Mais bon, c'était normal, j'étais pianiste, j'étais pas au départ. Euh, voilà, donc je passais quand même après les chanteurs. Mais le double avantage que ça a eu. Et ça, c'est peut-être ça qui est la deuxième réponse à pourquoi euh, la longévité, longévité de Cassav. C'est que, après les 15 premières années de Cassav, on avait de quoi jouer 4 heures de concert, mais sans qu'une minute le show redescende, parce que c'est que des morceaux qui ont marché. Donc forcément, les, le public a pris l'habitude aussi en face de nous de venir parce que celui-là est fan de Patrick, celui-là est fan de Jean-Philippe, celui-là est fan de Jacob, celui-là est fan de Jocelyn, celui-là est fan de Nemo. Donc on a un panel qui fait que, quel que soit l'artiste, dans les cinq où vous êtes fan, vous allez venir. Et c'est pour ça qu'on n'a pas eu besoin finalement de tellement de médias. Continuer à réussir et à durer, puisqu'il n'y avait jamais assez de temps pour jouer tout ce que les gens aimaient. Vous avez à votre actif un énorme tube, hein, c'est Coller Serré, euh, que vous avez chanté avec euh, Jocelyne Berroir. Comment elle vous est venue cette euh, chanson Le plus vite. Dans, souvent, hein, euh, je ne dis pas. Bon. J'ai composé ça en 2-3 heures. Vraiment, euh, on était dans un hôtel à Haïti. On attendait que ça se passe parce que ça se passait mal avec. Euh, le Départ de Duvalier, tout ça, on était bloqué à l'hôtel. J'avais un tout petit clavier comme ça que je traînais avec moi partout, qui, qui avait des piles à l'époque, un bon Tampi, ou je sais plus, <laughs> un truc. mais vraiment ce qui pouvait rentrer dans la valise. Et donc à l'hôtel, je m'ennuie, je fais ça. Le oh, pas mal. Bon, le fil en aiguille, hein, Jocelyne, c'est pas mal, et puis c'est devenu serré euh, mais vraiment, c'est pas comme plein d'autres titres à moi qui peut-être n'ont pas marché mais où j'ai mis des mois <laughs> avant de les faire c'est étonnant et pourquoi c'est Philippe Laville qui s'est approprié la, la chanson parce qu'il par est la venu à la maison et, pas et Jocelyne venait de sortir son album et je lui ai fait écouter tout l'album de Jocelyne et il tombe sur ce titre il me dit waouh wow, ouais si je prends ça avec Jocelyne je reprends ce titre avec Jocelyne on fait un carton et oui il a eu de l'intuition ouais. là j'ai appelé Jocelyne le fil en aiguille ils ont fait le duo et à l'époque il y avait les Comment ça s'appelait déjà le hit parade des 50, top 50. Le top 50 top 50. C'était ça qui faisait. qui mettait tout le monde d'accord. <laughs> Et on est entré 50e. Je dis, ouais, bon, voilà, ouais, c'est rentré, c'est déjà pas mal. Tu vas voir. Quelqu'un qui m'a dit, tu vas voir, hein. ça va arriver parmi les premiers. Je dis, ouais, ouais. ouais. Et ben, un mois après, ou deux mois, enfin, fait, je ne sais plus quand. On était deuxième après Michael Jackson. Ah ouais Donc vous n'avez jamais regretté de l'avoir confié à Philippe Lavie? Euh, bah, euh, non. <laughs> non. Est-ce que parfois vous avez eu envie de quitter Cassav Ah oui. Ah ouais. euh, le bonheur, il est sur scène. En dehors de la scène, euh, c'est comme une vie de couple multipliée par 10, quoi. Donc euh, c'est comme si vous êtes marié à 10 personnes. Déjà, deux, c'est pas facile. Mais avec 10 personnes tout le temps, euh, voilà. C'est un peu. Enfin, c'est une, euh, si ouais, une belle une image. Une vision humoristique, mais qui <laughs> on veut on dire bien tout. ce que ça veut dire. Ouais. Moi, euh, comme j'ai bien expliqué, déjà, je suis quelqu'un de très solitaire. Et donc, euh, être tout le temps sur la route à partir. Et puis, c'est même pas le groupe. Le groupe, plus les techniciens, plus ceci. On part sur la route, on est 22, 23, 24, 25. Des fois, pour la tournée qu'on a faite. Euh, la dernière grande tournée qu'on a faite dans l'océan Pacifique, on était 22 sur la route. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand je dis sur la route, ça veut dire depuis Orly pendant trois mois, avion, hôtel, scène, restaurant, avion, hôtel, scène, restaurant. Wallis et Futuna, Tahiti, Nouvelle-Calédonie, et j'en oublie. On devait faire le Japon, ça a été annulé au dernier moment. Alors la raison pourquoi le, le Japon a été annulé, c'est assez marrant. Parce qu'il se trouve qu'on a réalisé que le concert hein, qu'on devait faire le lendemain, c'est la veille, en fait. Avec la... <laughs> mais qui s'était trompé L'organisateur, enfin euh, je ne sais pas. Non, parce que comme... Et le, ça, décala... ça vous a agacé le, le décalage horaire, tout le monde a pensé que, le, sa... que le samedi était le samedi, mais c'était en fait le vent. Enfin bon, un mmh. truc euh, assez lunaire. Et ça vous a agacé Non, pas bah, bon, particulièrement. C'était la dernière date qu'on devait faire de toute la tournée. Mais, mais pour revenir à ce que j'y disais... Euh... On prenait des avions tous les jours. On arrive à l'aéroport. 8h, heures, 10h, heures, les 15h d'avion. Après les ministres, machin nous reçoivent à l'aéroport. Pas question d'aller à l'hôtel, demander sa clé. Non, 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 vous êtes reçus par le nénénéné. Donc euh, assis pendant une heure à l'aéroport avec euh, la bienvenue, les fleurs, les ceci, le groupe qui joue, le ministre tel qui va faire sur la locution. Sauf que moi je dis mais qu'est-ce que je fais là C'est bien, c'est bon, c'est bien en même temps. Si vous êtes considéré dans un pays, euh, c'est valorisant. Pas mal, ouais. <laughs> mais après 15 heures d'avion, j'avoue que... Ouais, parfois vous en avez eu un peu votre cas. Il y en a qui supportent ça, très bien. Hein. Et je, je les admire pour ça. Georges ah ouais, Georges il est le premier à danser. Euh... <laughs> c'est extraordinaire d'être comme ça. J'aurais voulu être comme ça, mais je suis pas comme ça. <laughs> mais en tout cas, vous avez envie que Cassav ne disparaisse pas euh, euh, malgré tous les qui, événements là aujourd'hui Qui le voudrait mmh. Je pense qu'on a quand même, pendant plus de 40 ans, ce qui est exceptionnel, non pas en France, mais dans le monde, œuvré dans le même sens pour un, un projet, c'est quand même pas, euh, je ne pense pas, dans le coin, de la tête de quelqu'un qui a fait partie du groupe, de se dire... Oh, bon, ben, euh, c'est fini, quoi. Et puis on passe à autre chose. C'est tout plus que passer à autre chose. Euh, vu mon âge, bah, passer à autre chose, j'ai ici si, des projets personnels, mais euh, ces projets personnels-là sont venus pour combler le vide. Mmh. Pour l'instant. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.